Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 141 de Stage 1 et nous allons continuer les Angry Birds. C'est car cette fois-ci nous allons jouer donc Angry Birds Season, on les fait dans l'ordre de sortie. Et donc c'est parti, j'ai envie de dire play. Alors on va faire Season, il y a deux mondes différents, donc 2011 et 2012. On va commencer par 2011, on va faire quelques niveaux au hasard d'un monde de 2011. Voilà, on va prendre celui-là, donc on a des poulets. Alors les jaunes, on les avait pas vus dans le premier, les jaunes. C'est les petits missiles. Petits missiles. En gros, ils se lancent et quand on clique, ils accélèrent. Ça, c'est des gros rouges qui font beaucoup plus de dégâts que les petits rouges. Regardez le jaune. Je vous montre, regardez. Je clique, et hop. Et ça lui fait aller plus vite en fait. On voit le petit nuage qui est un peu plus gros. Ouais, bah là, j'ai foiré mon truc. Ces niveaux ont l'air d'être assez tendus. Dès le début, ils ont l'air tout bien tendus. À finir celui-là, je sais. On va y passer du temps peut-être. Voilà. Ça tombe, c'est pas très solide tout ça. Donc je pense qu'il faut atteindre le machin de dynamite là en bas. Mais en même temps, regardez, il reste. Ah là, 8. Non, 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 non. J'ai pas tellement de pigeons pour finir ce niveau. Hop. Il m'en reste qu'un seul pour en tuer deux. Là, ça va être un peu limite. Ouais, c'est un peu limite. Donc voilà, on recommence le niveau. Alors après, c'est vrai que là, j'ai pas tellement vu le début ou la fin. Parce qu'en fait, là, sur le premier qu'on avait testé, Angry Birds, c'était facile dès le début, que là, en fait, c'est dur dès le début. Je sais pas pourquoi, c'est sûrement parce que il doit pas y avoir vraiment de début, sachant qu'il y a marqué 2011 et 2012, c'est peut-être... je sais pas. Je sais pas à quoi rime celui-là, parce que... les autres ont des thèmes, quand on va regarder le Space, le Star Wars, ils ont des thèmes et c'est vraiment spécial. Le Rio aussi. Que celui-là, le Season, c'est le seul que j'ai jamais vraiment bien compris le principe, enfin au niveau de l'histoire quoi. Il n'y a pas d'originalité, c'est juste un Angry Birds quoi. Il n'y a aucune originalité. Voilà. Hop, le décor aussi, peut-être le décor qui change, regardez, donc il y a des... Il y a des... les décors sont différents, là il y a des fleurs, tout ça. Il peut y avoir de la neige ou des trucs comme ça, vu que c'est les saisons. Donc on peut dire que c'est ça l'originalité, mais au niveau du jeu, c'est un peu la même chose quoi. C'est comme le 1. Il n'y a rien de magnifique. Je galère un peu quand même sur les niveaux, comme je vous ai dit. Ouais, c'est un peu la galère, j'ai pas tellement de pioupiou d'avance. Hop. Hop, ah j'aurais pu tuer l'autre là, mais c'est pas, ça va pas assez loin. Remarquez les nuages qui sont en forme de piggies, de cochon. Lol. Ouais, là ça suffira pas. En fait, il faut bien commencer, mais je sais pas. Ouais, non, ça sert à rien ça. L'envoyer le bleu direct, ça sert à rien, faut peut-être l'envoyer pour essayer d'en... Non, bah là, elle atterrit sur le toit. Donc, il en faut déjà deux pour casser le toit. C'est mort, on va essayer de faire tomber direct ça. Pour avoir au moins le champ libre pour continuer avec celui-là, du moins. Avec celui qui défonce tout, là, attention. Pouf. Je me suis foiré. J'ai oublié de cliquer. Allez. Détruis toi là-bas, détruis tout ce qu'il y a en face. Oui, alors lui est tombé. Et il m'en reste un là, le petit rouge. Est-ce que je vais pouvoir juste viser? Non, je suis allé trop loin. Ah, ça a été trop magnifique. J'aurais pu gagner facilement. Faut que je refasse ça. Hop là. Donc j'ai trouvé l'astuce pour gagner ça. Hop là, on fait tomber ça. Les deux sont KO. Oh, celui-là aussi est KO. Je devrais pouvoir, si je fais pas trop de la merde, réussir à finir ce niveau. Ah bah là j'ai foiré mon truc déjà. Voilà, pour lui c'est bon. Et il faut juste que je détruise le petit verre là. Non, vas-y, vas-y, touche-le. Non. Ah non, c'est la poisse quand même. Allez. On fait encore une ou deux fois. Sinon on ira, on va aller chercher
On va aller chercher d'autres niveaux après, d'autres... Vu qu'il y a plusieurs mondes accessibles dès le début, bah, on va faire d'autres trucs. On va pas rester sur ce monde-là indéfiniment, sachant qu'on peut aller voir les autres. C'est plus intéressant de vous montrer un peu les autres. On va pas y arriver. Ouh, voilà, ouh, j'ai même détruit le gros là dès le début, c'est pas mal. Mais par contre, je viens de niquer un. Je viens de me faire avoir d'un truc. Ouais. Ça va être limite là. Ouais, ça va être très limite pour gagner. Non, ça veut pas. Hein, non. Ouais, non. Eh ben, TNT, elle est encore là-bas. On va pas y arriver. Allez. On dit que c'est la bonne, celle-là. On dit que c'est la bonne, on dit que c'est la bonne. Allez, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Oui, les deux sont détruits. Maintenant, il me reste deux là-haut. Ah, si j'arrive pas à y arriver, là. Allez. Allez, va taper au bon endroit. Attention. Oh non, c'est abusé, c'est cheaté. Bon. C'est pas vraiment mon jour aujourd'hui. Hein. Allez. Oui. Alors maintenant, celui-là pour détruire cela. Voilà. Comme tout à l'heure, sauf que là, faut pas que je me rate. Faut bien que je vise plus haut que tout à l'heure. Oui, c'est bon. Voilà. Allez, il est KO. Ouf, on va pouvoir changer un peu de... Ah, je voulais pas rester sur une défaite. Hein. J'avais trop honte de partir comme ça, là. Ouh là là, ça m'aurait embêté. Donc, on retourne à l'écran des... Donc, voilà, on a fait pas beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre un autre, je sais pas. Par exemple, lui. Alors, ça, c'est un truc irlandais avec des trèfles. C'est un thème irlandais. Tchoup, tchoup. Alors ça, c'est des bombes. Regardez, j'arrive dessus, pouf, et je clique pour faire exploser la bombe. Sinon, de toute façon, elle explose elle-même au bout d'un moment. Mais en cliquant, on peut la faire exploser. C'est plus rapide. Eh ben non, il en reste un. Il faut que... Non, je vais pas y arriver, je pense. Ouais, non. Donc je recommence parce qu'il en reste un là, un petit pigis vert. C'est juste au niveau des bombes. Quand il y a des bombes, déjà, c'est plus facile. Hop là, hop là. Oui. En plus, il y en avait un en bas, là. Donc, j'en mets un là-bas. Je l'ai détruit. Ça, c'est fait. Il en reste deux, là. Juste devant moi. Hop là. Donc, c'est bien parce qu'avec l'effet de la bombe, on peut en détruire un. Même s'ils sont derrière des murs, ben, il y a l'onde de la bombe. Donc, du coup, ben, ça l'a détruit quand même. Voilà, terminé pour lui. Ah, j'aime bien les bombes. Alors là, on a des gros Angry Birds rouges. Ouh, ce niveau, je sens qu'on va en chier. Regardez, parce qu'il y en a qui sont cachés là-bas en dessous. Ouais. Pour atteindre, là, il m'en reste 3. Enfin, il en reste 2, mais j'ai plus qu'un pilier. Un oiseau, voilà, c'est mort. On recommence. Non, je vais essayer de taper directement dans la pierre là. Voilà, comme ça on détruit ces deux-là. Ensuite, je balance ma bombe à peu près ici. Oh là là, il va me rester des trucs en pierre devant l'autre là. Je le sens pas ça. Comment je fais pour viser au bon endroit avec lui là? Allez, au bon endroit, non, c'est trop près, enfin c'est pas assez loin. Non, il a pas voulu tomber là. Bon bah on recommence, on va essayer de refaire pareil, c'est pas gagné. Ouais. Oui, donc là ça tombe, tout ça tombe. Oui, j'ai détruit mon pilier, donc maintenant il me manque plus qu'à bien viser lui.
Moi je me rate. Et voilà, c'est bon. Il est out. You. Alors on retourne, on va en faire un. On va passer sur l'année. Là non, c'est pas la même année. 2012, voilà. Et on va faire un peu, on va aller dans la neige. Donc ça doit être l'hiver et Père Noël. Père Noël, c'est un cochon déguisé avec une moustache et tout. Alors. C'est quoi ça? C'est une orange de Noël. D'accord. Donc en gros, c'est un oiseau qui grossit. Que j'ai compris, je le connaissais pas du tout celui-là par contre, cet oiseau-là. C'est un petit oiseau, on le lance et quand on glisse, il grossit. Il tient la place que vous avez vue. Alors ça, c'est une poule pondeuse. Hop. Donc vous avez vu, en fait, quand vous la lancez, dès que vous cliquez, elle pond un œuf. C'est une sorte d'œuf explosif. Si on va lancer lui, il est bien. Ouais, non, c'est pas bien ça. Lui, il compte beaucoup, lui. Il faut vraiment bien lancer dès le début. Ce qui peut faire beaucoup de dégâts si on le met au bon endroit. Ouais, non, il a pas fait beaucoup de dégâts. On va voir si on peut en faire quelque chose. C'est pas gagné. Il me reste que deux pigeons pour tout faire, là. Ça va être compliqué. Oh, en plus, j'ai foiré. J'ai pris mon truc à l'envers, là. Alors. Hop, on va attendre. Ouais. Peut-être que je le vise un peu plus au milieu. Là, ici. Là. Ouh, là, il en a détruit plein. Ouh, il en a détruit beaucoup. Ouh, il m'en reste plus qu'un. Ah, ça, c'était de la chance. Il m'en reste plus qu'un piggies. Avec tout ça de pigeon, si j'y arrive pas, il y a un problème. Non, j'y arrive déjà pas pour l'instant. Voilà. Terminé le niveau. Voilou. C'est bien la petite musique, elle est entraînante. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut toujours faire la même chose, hein, mais... Est-ce qu'il y a la TNT là en bas? Ah d'accord, ça tombe dessus. D'accord, là, quand on détruit les machins de neige, là, on voit les trucs de neige, ils sont accrochés dans l'air. Et ce qu'il y a au-dessus, ça tombe. Je vais essayer de les viser pour faire tomber les pierres dessus, là. Les pierres sur la TNT, là. Voilà. Voilà, ça explose. Ouh, je vais pas taper assez fort. Hein. Et les petites clochettes. Je savais pas si ça rapporte des points, les petites clochettes. Oui, tombe, allez, tombe. Et il me reste quoi? Ouais, un machin rouge. Ouais, donc en gros, c'est mort. Parce que là, il y en a un qui est caché en dessous. Donc je peux pas l'atteindre. Donc ça, on a compris. Il faut faire comme ça. Voilà, TNT, toujours. J'ai compris pour le premier coup. Ensuite, il faut réussir à réussir les autres coups. Oui, j'ai détruit mon Tipeee-Guise qui m'embêtait tout à l'heure. Maintenant, il faut que je vise l'autre là-haut. Voilà. Magnifique. Niveau terminé. Voilà. Donc voilà, on va pas en faire d'autres. Et je vais vous laisser, comme la dernière fois, je vais vous laisser la petite musique du jeu. Donc comme vous remarquez, qui a changé. Au début, on était sur de la fête chinoise. Et là, en fait, on est sur du Noël. Donc ça dépend du dernier jeu qu'on a joué. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement.
Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.